tour. Ah, venez avec moi, on va chasser les bonbons ensemble. Attention aux monstres. Hey, coucou mes petits palmiers, comment allez-vous? Moi c'est Nadège Cornodal, lui c'est l'ourson. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour fêter Halloween. Vous allez venir avec moi, on va aller récupérer des bonbons chez les gens et j'espère que rien ne va mal tourner. C'est un jeu qui se passe sur Roblox. Cliquez sur j'aime, explosez-moi ces likes si vous aimez Halloween. C'est parti! Oh waouh, c'est joli! C'est le lobby du jeu, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Moi je vais jouer toute seule. Oh, ça commence super bien. Regardez la cinématique. On est dans un joli quartier, dans les États-Unis. Tout est décoré, regardez, là, il y a un épouvantail, des citrouilles. On rentre à la maison, apparemment on est chez nous. On va se garer ici. Pourquoi on rentre pas dans le garage? Bah c'est bizarre, non? Oh, nuit d'Halloween! Oh! Truc ou friandises sont en route. Bon, c'est trick or treats. Ou treats or trick. Bon, en tout cas, regardez. On est là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un bruit bizarre? Entrez dans la cuisine et lisez la note de vos parents. Bon, ça c'est la déco d'Halloween, hein, c'est pas pour de vrai. On ouvre la porte, on ferme la porte. Ensuite, on avance ici. C'est chez nous. Par contre, c'est sale, hein. Oh, vraiment, faut ranger, nettoyer. Je vais lire la note que mes parents m'ont laissée. Je lis la note. Désolé, nous n'avons pas pu rentrer chez nous ce soir. Veillez à donner des bonbons cette année. C'est nous qui allons donner des bonbons aux enfants. Oh, ça, c'est les bonbons. D'accord, ça, c'est les bonbons. Ça, c'est la poubelle. Les gens devraient commencer à apparaître n'importe quand. Oh, il va y avoir des... Pourquoi il y a ça? Oh, bonjour. Truc aux friandises. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Alors, j'ouvre la porte. Bonjour. Oh, il est mignon. Sympa, le costume. Ouais. Il est marrant avec ses petites dents. En fait, je n'avais pas envie de m'habiller cette année. Oups, malaise. C'est pas un costume d'Halloween, c'est sa tenue normale. Sorry. Bon, tu veux des bonbons? Bouge pas. Eh bien, je ferais mieux d'obtenir des bonbons pour ça. Des bonbons. Allez, je prends des bonbons dans le seau, là, dans le saladier, et je lui donne. Tiens, voilà. Ça y est, prends tes bonbons. Mon pauvre. Ah, merci. That's so sigma, ça veut rien dire. C'est de l'anglais, merci. Au revoir. Bye. Lave-toi bien les dents. D'accord? Après avoir mangé des bonbons. Et la prochaine fois, habille-toi en costume d'Halloween. Alors, il y a le téléphone, mais on peut pas interagir. Derrière cette porte, c'est le garage. Ici. Oh, il y a déjà quelqu'un à la porte. Mais arrêtez un peu, moi je veux fouiller ma maison. Oh! Elle est sale, la salle de bain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va répondre à la porte. Bonjour. Ah, quelle jolie tenue. C'est un requin. Ah, mais comment tu respires en dehors de l'eau? Eh bien, je suis un requin de terre. Comme c'est intelligent. Eh bien, j'ai déclenché une nouvelle peur à cause de toi. Mais je plaisante, je plaisante. Oui, c'est ça, oui. Arrête de plaisanter. Bon, je vais prendre des bonbons dans le bol. Tu l'as bien mérité, ton costume il est bien réussi. Bon, je lui donne juste un bonbon. Tiens, oh, oh, oh. C'est rigolo. Voilà pour toi. Ok, merci. Joyeux Halloween. Ah, oh, ça fait plaisir. Au revoir le requin. Bah la porte elle se ferme toute seule. Regardez, c'est trop rigolo le requin qui disparaît. Bon. Alors ensuite, ça c'est la cuisine. Est-ce que je peux ouvrir le frigo? Non. Je peux même pas prendre de la pizza. La lampe de poche, elle est payante. Oh, il y a encore quelqu'un qui vient demander des bonbons. Arrêtez un peu. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, c'est un dog. Hello, ton costume me donne faim. Ah, merci. C'est ma mère qui l'a fait pour moi. Ah, c'est mignon. C'est vraiment impressionnant. Tu diras à ta maman bravo. Mettez juste les bonbons dans le sac. Oh bah ça va, comment il me donne des ordres lui? Non mais j'y crois pas. Mais trois, tu as te calmer. Il est fou lui. Si je veux, je t'en donne pas. Tiens, prends-le ton bonbon. Bon, voilà. Et après? Merci. 5 secondes. Ah bah au revoir la saucisse. Au revoir. Il est mal poli cet enfant, moi je vous le dis. Bon, il y a un enfant encore? Est-ce qu'on les voit arriver?
C'est quoi? Pourquoi il y a un bruit bizarre? Je devrais allumer la télé pour passer le temps. Ok. Allume. Quoi ce bruit? Moi qui marche? Ah! M'a fait peur lui! Alors, c'est des nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Attention, flash spécial. Il y a un tueur en série qui s'est libéré. Il s'appelle le Stalker. Oh, verrouille vite, verrouille tout. Oh, le Stalker, la nuit d'Halloween. Sérieusement. Oh, nous recommandons à tous de rester à la maison. Ok. Et de dénoncer les moindres choses bizarres à la police. D'accord. Il fait peur. C'est suffisant pour la télévision ce soir. Bien. On éteint la télé. Pas besoin de regarder des trucs d'horreur. Comment vais-je traverser la nuit après avoir entendu ça? Bonne question. Moi, franchement, j'aurais peur. Si je ne distribue pas de bonbons, mes parents seront tellement en colère. Mais ça va, c'est pas une obligation. Tu préfères te faire avoir par le stalker plutôt que... bon. Laisse-moi nettoyer pour me calmer. Oh bah voilà, je nettoie la maison. Je me disais bien qu'il fallait nettoyer à un moment donné. C'est tellement sale. Oh, surtout la salle de bain, regardez-moi ça. Ah bah c'est bien mieux. Ici, voilà le troisième endroit à nettoyer. Il y a dans le salon, bien sûr. Et pouf. Et ensuite, dans le garage. Et puis, ça y est. Voilà, j'ai nettoyé la maison. Elle est bien plus jolie comme ceci. Ah oh, oui. Oui, 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 oui. Quoi d'autre? Oh, il pleut. Vous avez vu? La pluie, elle est tombée d'un coup. Elle a fait... Bonjour. Et maintenant, il pleut. Bah oui, mais ça, c'est pas grave. Peut-être que ça va éloigner le stalker. Comment ça, juste ta chance? T'es dans une maison. Tu crains rien? Oh là 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 là. Ah, d'accord. Elle fuit la maison. Ouais, effectivement, là, c'est pas de chance. Oh, oh, c'est vrai que là, bon, je vais devoir essuyer ça. Alors, je prends la serpillière et je nettoie l'eau. Donc, on reste appuyé. Plouf, on absorbe l'eau. Il y a 4 taches d'eau. Ici, plouf, ici, et plouf, et ici, et plouf. Ça y est, voilà. Ah, bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je peux pas l'ouvrir, la porte. Les échelles, les outils. La pluie semble s'être écoulée rapidement. Ah bah tant mieux, tu vois, t'es content. Je suis sûr que les gens reviendront bientôt à la porte. Oui, les gens pour les bonbons et le stalker. Ah oh là, oh, regarde. Oh, il y a des Fruit Loops. J'adore les Fruit Loops parce que c'est coloré et c'est en forme de cercle. Oh, il y a encore quelqu'un qui veut des bonbons. Bonjour. Oh, mais il est sorti d'un manga celui-ci. Oh, c'est One Up and Furious. Oi, 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 Baka. Il est fou, lui. Il va prendre un coup de palmeier. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Répète un peu. Baka, oh! On n'est pas amis. Alors, tu me dis pas ça. Ouais, je vais te donner des bonbons et tu peux partir, ouais. C'est la meilleure des choses, hein. Vas-y, ça sert à rien de lui parler à lui. Tu prends le bonbon et tu lui donnes. Non, mais parce que là, en plus, il a un paquet d'M&M's. Voilà, bye. Voilà. Tu peux t'en aller. Arigato gozaimasu. Ça veut dire merci beaucoup en japonais. Oh, il est gentil, finalement. Bon, bah merci de rien. Voilà, amuse-toi bien. Avec TMNMNMNMS. Ah, ça fait plaisir. On rend tous ces enfants du quartier heureux. Ah, ça c'est bien. Ah, voilà, y'a qui dehors? Y'a personne? Pourquoi je peux pas aller dans mon jardin? Quoi? Y'a encore quelqu'un à la porte? Je suis pas là pour nourrir tout le quartier non plus, hein. J'ai déjà donné à manger à 5 enfants, ça va? Oh, t'es habillé comme un policier. Est-ce que c'est un policier? Je suis un policier. Je suis là en couverture cachée. D'accord. Mais alors t'es pas caché, hein? On voit bien que t'es un policier. Exactement. Est-ce que tu as vu quelque chose de suspect ce soir? Non, à part des mauvais costumes, mais non. Non, voilà, il lui dit non. Ah oui, bah il est en policier, mais personne va croire que c'est un vrai policier parce que c'est Halloween, donc d'accord. Ok, garde tes yeux ouverts, j'ai entendu dire que le stalker était dans le quartier. Bah non. Ok, est-ce que vous voulez des bonbons, monsieur l'agent? Hein? Ah bah pourquoi pas, ah bah, il est gourmand le policier là, hein. Ah, il aime bien les petits bonbons.
Allez, on va lui donner un petit bonbon au policier. Ok, tiens, mange ton petit bonbon, monsieur. Voilà. Quoi? Voilà pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Appelez le 911 si vous voyez quelque chose de bizarre. D'accord. Au revoir. Cordialement. Il va faire la chasse aux bonbons. Je parie qu'il va aller manger des bonbons du quartier. Alors, ce stalker est dans le quartier. C'est inquiétant. Je vais plutôt prendre une douche, moi, à la place. La 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 la. Alors, il y a encore des bonbons? Bien sûr. Alors, il y a encore des gens? Bonjour. Ah! Il m'a fait peur. J'adore ton costume. C'est un mignon. Bello. Bello, bello, la papaya. Quel est ton bonbon préféré, mignon? La banane, évidemment. C'est une bonne réponse. Mais j'ai pas de banane. Mais je vais voir ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bonbon qui ressemble à la banane? Je vais lui prendre un bonbon. Ah oui, un bonbon à la framboise. Tiens. Voilà, tu peux t'en aller maintenant, mignon, parce que tu m'as fait peur quand même. Hein. Banane. J'ai pas de banane. Comment il insiste, lui? Au revoir, quand même. Banane, ça veut pas dire au revoir. Faut tout leur apprendre à ses enfants. C'est fou. Je devrais probablement sortir la poubelle avant que mes parents ne rentrent à la maison. Bonne initiative pour aider les parents. Donc je prends la poubelle et je vais la sortir et je vais la mettre dans le bac. Ok. Donc le bac, il est là, il n'y a personne. Ok. Donc je jette. Il reste deux sacs poubelles à jeter. Il y en a un dans le garage et un dans la cuisine. On va commencer par celui du garage. Il était dans la salle de bain sûrement. Voilà. Je vais aller ranger le deuxième dehors. Il y en a trois à faire en tout, hein. Bien sûr, c'est écrit en haut. Et hop. Et le dernier, c'est celui qui est de la cuisine, là. Il y en avait deux dans la cuisine, c'est pour ça. Oh, elle est jolie, ma citrouille. Et bah, par contre, il y a plein d'armes chez lui, hein. C'est bizarre. Mais bon, au moins, si elle stalker, il est équipé. Allez, on avance. Hop. Et hop. J'ai sauté par-dessus le talus. Et hop, la poubelle. Vois. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux? T'es qui? Bon, faut lui parler, apparemment. Parler au type effrayant. Et est-ce que je peux demander ce que vous faites ici? Devant chez moi? Répondez. Je cherche juste des trucs à manger. Ben, vas-y, je viens d'en jeter, donc serre-toi. Ah, oh, tu sais que ce n'est pas sûr ici, hein? Il y a le stalker qui est dans le quartier. Papier! Oui, j'ai vu la police, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bah, il y a juste un tueur en série, quoi. Il est trop fou, lui. Il y a un stalker en liberté. Restez à l'affût, quand même. Même, bon, si vous vivez dehors et... Quoi? Oh, mon Dieu, merci de le faire savoir. Si je vois quelque chose, je te le dirai. Ça sert à rien de me le dire à moi, je fais à la police. Pas de problème, bonne nuit. Bon, en tout cas, maintenant, la maison, elle est plus clean. Pas de poubelle. Je vais fermer les portes. Par contre... Où est-ce qu'on dort dans cette maison? Il est minuit! Ça y est! Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est l'heure d'Halloween! Ah, regardez! On dirait qu'il y a un étage, mais il n'y a rien en haut, vous avez vu? Regardez! Oh, j'arrive à aller en haut, mais il n'y a rien! Ah, c'est trop marrant! Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde, il se fait tard! Eh oui, il est minuit! Y a quelqu'un dehors? Oh! C'est quoi ça? C'est un gros chat! Truc aux friandises. Allez, on va ouvrir au chat, il est trop mignon. Coucou El Gato. Avec son petit seau rose. Miaou. Il est mignon, il joue vraiment le jeu du chat jusqu'au bout. Ok, je vais te donner des croquettes alors. Si tu veux jouer à ça. Miaou, miaou, miaou. Oui, oui, je vais te donner des croquettes de poisson, t'inquiète pas. Bon, allez, on prend des petites croquettes. Voilà. Qu'on appellera MNEMNEMS, et je te donne. Voilà. C'est bon, t'es content, miaou? Il fait peur quand même. Hein. Je vais m'éloigner parce que là, miaou, miaou, mais miaou de loin. Ok, va-t'en. Il m'a fait peur. Plus que le mignon. Ouais. Oh là 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 là. Ils sont bizarres, ces gens. Mais c'est bien, vous avez vu, on peut les voir arriver. Regarde, pourquoi il y a...
Pourquoi il vient là, lui? Il est fou. Je sais qui t'es. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Je vous connais, hein. On s'est parlé il y a quelques secondes. Oui, on s'est rencontrés près de vos poubelles. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu as vu des signes du stalker? Quelque chose? Des indices? Peut-être. C'est difficile à dire avec toutes ces personnes autour. Il confond les enfants habillés avec le stalker. Ouais, bon ben, prends soin de toi. Bon, il veut des bonbons, je vais lui donner des bonbons. Merci. J'ai trouvé ce seau à bonbons. Alors, tant que j'y suis, est-ce que je pourrais avoir quelques bonbons? D'accord. Qu'est-ce que je peux pas te refuser à toi? Tiens, mange bien ces bonbons. Hop! Enfin, je t'en ai donné qu'un seul, hein. Faut pas abuser non plus. Voilà, mon ami. Merci de rien. Au revoir. Fermeture de la porte. Bye. Bon, on s'est débarrassé de lui, c'est bien. Je pense qu'on le reverra pas de sitôt. Est-ce qu'il va y avoir un autre enfant qui va venir? Oh! Heureusement que je me prépare. Ça fait vraiment peur, ces costumes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on ouvre. Oh! Ok, c'est un mème. Il est un petit peu vieux, ce mème. Hein. Ouais. Gadagadigadagado. Gadagadigadagado. Ok. Vraiment, vraiment. Gadagadigadagado. Ok, il joue le jeu à fond. Les enfants de nos jours. Je vais lui donner des bonbons et puis il sera content. Il va surtout partir d'ici. Tiens, prends donc un cookie. Hop. Quoi ce bruit? Il me fait... Ok, va-t'en maintenant. Peux t'en aller? Gadagadigadagado. On dirait un nugget. On dirait un gros nugget de poulet. Ah. Trop bizarre. Bon, il y a encore quelqu'un? C'est quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? On aurait dit que quelqu'un était dehors. Vous croyez que je peux aller dans mon jardin, enfin? On va voir. Ah non. Il faut vérifier les fenêtres. Ok. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a... Ah! Qu'est-ce que... Le courant est éteint, je dois aller le réinitialiser. C'est où? C'est où? C'est où? C'est dehors? Bah alors on sort. Donc on va sortir. Et on va aller mettre le courant là-bas. Hop, par ici. Il oh y a lui qui est là. Qu'est-ce que c'est? C'est la même personne sans abri avec laquelle je parlais. Le stalker, il a pris la place. Oh non! Gna gna gna! Ah vite, il faut que je me mette en sécurité! Ouvre la porte, ferme la porte! Bye! Qu'est-ce qui... C'est bon, tu peux pas rentrer ici! Voilà, c'était lui le stalker. On l'a vu, je vais appeler la police. Il est où mon téléphone? Il est là. Allô, le 911? Allô? Répondez, c'est une urgence. Ah! Allô? Ah, il n'y a plus personne à la police. Ah, hello, c'est le 911. Quelle est votre urgence? Bah, il y a le stalker. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Le tueur stalker qui est en liberté, il me court après. Ok, restez calme. Quelle est votre adresse? Je sais pas, moi. Bloxburg, je vis à la 619 East Bloxy Street. Dépêchez-vous. Très bien, j'ai votre localisation. Le courant est encore tombé. Le courant est encore tombé. Oh, la police est en route pour survivre. Ah! Mais ça va pas? Mais attendez, il est... Mais il est dans la maison. Ok, il faut le coincer comme ça. Voilà, objectif, reste en vie. Bah voilà. J'ai plus qu'à attendre 45 secondes, regardez. Oh, je l'ai coincé avec le truc de la cuisine. C'est vraiment trop drôle. Tu peux pas m'attraper. Allez, plus que 33 secondes. Là, on se regarde droit dans les yeux. Il est vraiment bête, hein, comme stalker, hein, je veux pas dire, mais bon. En même temps, la maison, elle était toute petite. Donc, soit vous le coincez, soit c'est vous qui êtes coincé par lui. Allez, plus que 20 secondes. Moi, j'ai pas peur.
parce qu'il est bien coincé. On fait le décompte final, mes petits palmiers. Préparez-vous. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai survécu! Ouh, on a eu la bonne fin d'Halloween, ça fait plaisir. Oui! On a réussi la nuit d'Halloween sans se faire attraper par le stalker. Franchement, ça fait trop plaisir. Eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire pour Halloween. Merci d'avoir regardé cette vidéo avant de partir nous le taquiner. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et regardez une autre vidéo. Merci. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Bye bye.